entretien, spoilé, Anthony cache un terrible secret. Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 16 août 2021, Noor est hospitalisée après sa chute sur le port. Elle témoigne auprès de Karim et Sarah, qui lancent une enquête pour recel d'armes. Au même moment, Ulysse est victime d'un braquage à main armée. Un homme encagoulé lui vole son sac, son casque et ses écouteurs avant de disparaître dans les rues de Sète. Secoué, le serveur du Spoon porte plainte au commissariat. Sarah et Karim font le lien avec l'homme qui a pourchassé Noor et Alex sur le port. Grâce aux caméras de surveillance, il l'identifie comme étant un prénommé Arnaud, un homme déjà condamné pour recel quelques mois plus tôt. De son côté, William a du mal à tourner la page sur les dernières semaines. Bien que très inquiet pour Cyril, placé en hôpital psychiatrique, il n'est pas sûr de pouvoir bâtir une relation avec lui. Invité à déjeuner chez ses parents, le médecin reproche à Régis et Brigitte de faire comme si de rien n'était. Régis explique qu'il se sent coupable d'avoir détruit la vie de Cyril et n'a pas le courage de lui rendre visite en hôpital psychiatrique. Brigitte, elle, se sent prête à essayer. Elle promet à William d'aller voir Cyril. Virginie obtient la libération de Morgane. Au palais de justice, Virginie annonce à Sandrine avoir obtenu la libération de Morgane. Sandrine annonce la bonne nouvelle à sa compagne, mais Morgane a du mal à y croire. Elle se réjouit de retrouver Gabriel, même en état de légitime défense. Ravi, Gabriel et Théo préparent la maison pour le retour de Morgane. À la paillote, Camille dit à Dorian qu'elle veut passer du temps en tête-à-tête avec lui. Ce dernier lui propose une virée en mer et invite Manon, Louvia Bachelier et Nathan, Adrien Gabelet. Peu après, Manon demande également à Timothée, Grégoire Champion, à se joindre à eux. Chez les Moreno, Charlie, Clémence Lassala, est toujours en mission séduction. Elle montre d'abord sa nouvelle robe à Anthony, puis décide de le rejoindre dans sa chambre en pleine nuit. Manque de chance, Anthony est absent. On le découvre d'ailleurs en train de s'introduire illégalement au Spoon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous